On est dans la peak week, fait que ça peut être stressant un peu là, parce qu'on fait quand même 70 km cette semaine. Mais c'est pas si pire que ça, c'est pas la plus épuisante. Mais un temps de prep, il y en a des pires que ça, fait que au moins c'est pas trop pire. Mais non, c'est pas vrai, on n'est pas stressé. Le stress, on transforme ça en excitation. Oh ouais, parce que sérieux, ça sert à rien d'avoir peur. Ben, un petit peu peur. Comme ça, ça veut dire que tu cares, que tu sens que c'est important, mais pas trop. Pour pas que ça ait des répercussions négatives sur ta performance. Fait qu'être stressé, mais pas trop, juste avoir du fun, grosso modo. C'est bon, hein? C'est... Mais donc, là, on est aussi dans le speed workout, puis dans la jungle, où est-ce qu'il fait beau. Belle journée. Fait que là, on suit en tabarouette. On travaille dans la zone 3 et dans la zone 4 aujourd'hui pour vraiment bien former ce système cardiovasculaire-là, système aérobique, système anaérobique. Tout va bien aller. Puis, ben, pour passer le temps, j'écoute Chris Williamson puis Huberman en ce moment. Un épisode de 3 heures. Ouais. Ben, je suis quand même focus sur la course, là, mais d'écouter ça en même temps. C'est nice, je trouve. Deux en un. Two birds with one stone. Yeah! Fait que ça, c'est mon smoothie banane, cerise, pomme, parce que ben, j'étais allé aux pommes pis j'en ai cueilli en tabarnak! J'avais trois choix finalement, des pommes, ou des poires, ou des prunes. Les prunes sont pas bonnes, hein? Sont pas bonnes, hein? Tiens, Alice. Fait que tu peux manger des pommes. Ou des poires. Trop bon! Des bananes, ben parce qu'il reste 8 bananes qui sont sur le bord d'être très mûres, personne ne les mange. Fait que je suis genre, calice, qu'est-ce que vous faites? Puis des petites cerises congelées parce que, ben, ça, pour la température, c'est bon quand c'est froid. Puis, ben, ça donne la couleur rouge. Ça va être bon. En tabarnak! Oh, tabarnak! Tabarnak de tabarnak! Avec du bon steak haché qu'on va peser pour savoir c'est combien de calories. Avec un petit cocon et une petite carotte. Fait que je vais manger ce qui s'en vient avant d'aller à l'école le soir. Là, il est genre quasiment 5 heures. À 5 heures, il faut que je prenne l'autobus pour aller à Montréal faire un examen de français ou d'anglais. Des examens de langue. Maudit que c'est con, OK? Genre, obligé de faire ça pour avoir ton diplôme. Mais genre, tu penses... Genre, je suis à l'université, Chris. Tu penses-tu que je suis pourri en français? Tu penses-tu que je suis pourri en anglais? What the fuck? Sérieusement, là, tellement de choses à améliorer dans ce monde. J'ai hâte d'avoir un impact, là, vraiment. Mais en ce moment, je me contente de vous dire ça à vous autres. Ça me soulage. Écoute, j'espère que vous autres, ça vient vous chercher aussi. Puis que ça vous motive. OK, on retourne dans la course à pied, là, d'espoir. Il y a le cocon, là. Puis, ben, il restait de la courge. Fait que j'en ai rajouté dans mon steak haché. Là, on a déjà dépensé un bon nombre de calories aujourd'hui. Fait que là, je check les calories qui me restent à ingérer. Puis je suis comme, ça serait wise d'intégrer un bagel au beurre peanut avec le souper. Parce que des glucides, c'est fucking important. Surtout en marathon prep, là, la course à pied, là, t'as besoin de glucides pour bien performer. Puis c'est aussi, c'est que c'est des calories faciles. Là, fait que... c'est vraiment utile, manger ça. Pis c'est bon un bagel, là. Du crunchy, voyons donc. So catch me if I fall. OK, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue dans la semaine 10. Appelé, surnommé The Peak Week. Pourquoi? Parce qu'on court en tabarnak! Mobilité, mon pote. Oublie pas de faire ça. OK.
time to get these out. Yeah. Another one. C'est les Nike Vaporfly Next Percent 2, ok? À ce temps, il y a des Vaporfly 3, mais c'est pas grave, ils vont bien en tabarouette. C'est ceux-là que j'ai fait, que j'ai pris pour mon premier marathon, lui de Montréal. Puis ils ont marché quand même parce que j'ai eu mon objectif de 3h30, j'ai couru en 3h28. Fait qu'ils portent la chance en tabarouette. Mes derniers suivis de marathon sont scrap, ok? Puis eux autres, je les avais gardés parce qu'il leur restait encore une couple de kilomètres dans eux. Fait que on va les tester aujourd'hui pour la long run de la Peak Week cette semaine. Puis pour le marathon, fait qu'il leur reste trois courses. Trois hosties de courses. Sérieux là. Ils vont trop bien, genre. Ils sont légers, ils sont vraiment utiles là, parce que tu te sens léger. Fait que genre, en fin de ta course, genre tu sens pas que tes jambes sont pesantes, c'est ça qui est nice. Puis en plus, le retour d'énergie est vraiment bon là. Fait que ça te propulse par en avant. Ah, ils vont trop bien. Ça donne ça, des sprints de 30 secondes. Let's go! Là, c'est pas full pin encore! They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. I swear a port is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and stay back. You better pray that I don't see. 30 secondes. Ah, c'est que j'ai mal à terre. Je pourrais pas m'en passer. Oh no. Any more time. Prépare pour la long run de la Peak Week, 35 km, ok? Fait que le stress commence à pop-up, mais je suis prête. Party time, là on fait le no-brainer, ok? Les abdos, push-up, pull-up, dips, tout le kit. 3, 2, 1, go! Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Let's roll! Ok, fait que le plan c'est 35 km. Là, je cours à 4,37 du kilomètre parce que c'est mon pace de marathon. La température est fraîche. Mais je commence déjà à suer. On va voir comment ça se passe. Sinon, le plan, c'est de tout le temps revenir au quai du Caporal en faisant dans le fond tout le temps des allers-retours. Fait que 10, 9, 9,
et finalement 7 pour s'approvisionner en électrolytes. Ok, ok, ça va être malade. Tout qu'un défi. Let's go. J'arrête de parler parce que j'économise mon énergie. Signing off. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're... Un moment donné, genre à 20 kilos, je me suis rendu compte que j'écoutais même plus le podcast que j'écoutais. Fait que là, j'ai switché de playlist, ok, j'ai mis ça à Fiesta 2010. Puis là, à un moment donné, c'était Ice, Ice, Baby. Puis là, j'ai tout de suite pensé à la scène en That's My Boy, là. Man. The Walk, man! Yeah, baby! Let's kick it! Let's go! Ice, Ice, Baby! Yeah, the Walk! Yes. Yes. Oh my God! Oh my, stop! Ah, c'était puissant, ça! Je courais pis je pensais à ça, là, j'étais genre ice, ice, yeah! Ok, il reste 2 kilos. On est à 33. J'ai une crampe dans les abdos. On s'en connait! Let's finish this shit en écoutant Trap Queen deux fois la toune. That's wrong. Oh, yeah, let's go. Someone. 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 Never forget what it's like to be in debt. Stabbed in the back bed. I'll show you. Let's go. Shake up my. Push, push, push. I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Turn this life into something. Bon, ben, let's go! Ah, c'est nice, là. Sérieux, faut pas t'arrêter de marcher quand tu fais un gros effort de main parce que, genre, sinon tu pognes des crampes, surtout dans les ischio-jambiers, moi, là. Je me suis juste penché pour ramasser mes gars, puis genre, j'ai failli pogner une crampe drette, là. Continue de marcher un peu, là, prends ton temps. Ah, on a le temps, on a le temps. Ce qui est nice, c'est que je sais que j'ai fait une meilleure course que v'là 3 mois. J'ai suivi le même programme, mais 3 mois plus tôt pour le marathon de ma gueule. Puis là, je sais que cette course-là était meilleure, là, ma performance, tout. Je suis content, satisfaisant. C'est un bon programme, et on l'a suivi. Là, ça va être showtime au marathon. Ça s'en vient. Calice. On va aller dans la piscine si je peux détacher mes hosties de lancer. Tabarnak. Ouais, fait que c'est ça qui est ça. Peak week, 35 kilos fini. Après ça, il reste juste 2 semaines, là, mais c'est quand même relax, là, sauf les deux speed workout que je filmerai pas, je pense. Non. On va se revoir au marathon. Adios, mi amigos. Oubliez pas de courir. Yeah! Ok, je fais juste des blagues, là. Puis sinon, juste pour parler de la récupération, là, genre la journée d'après, dans le fond, où j'ai couru le dimanche, puis là, le lundi, qui était hier, là, autant que je filme, là, ben, j'étais brûlé lundi, genre, ok, comme j'avais même pas pris de caféine en plus le lundi, puis ça m'a vraiment fait apprendre, puis rappeler que des efforts, là, genre, faits dans la ligne rouge, comme Nick Byrne, il y a une belle analogie avec, tu sais, dans un char, là, la section rouge, là, ben, tu sais, quand tu vas là-dedans trop longtemps, ton char, il pète, tu sais. Ben, c'est la même chose pour ton corps. Quand tu performes, quand tu fais des compétitions, que tu essaies de maxer ton record personnel ou tu essaies vraiment de te battre avec toi-même, ben, tu essaies d'aller dans la zone rouge, mais tu peux pas être là trop longtemps parce que sinon, ton corps, il commence à ressentir là, des choses vraiment pas bonnes pour toi à long terme. Fait qu'il faut pas que tu restes là longtemps. Mais fait que moi, à mon 35 km, c'était pas mal ça. Là. J'étais dans la zone rouge, OK? La zone maudite qu'il faut pas rester trop longtemps, mais que c'est le fun d'atteindre pareil. Là. Mais donc, le lendemain, j'ai vu les conséquences. Tu sais, comme j'étais vraiment, là, genre, encore abasourdi, genre, j'étais pas réveillé. Tu sais,
cas, en mon cours de midi, OK, genre, un moment donné, je t'ai dit, là, c'est peut-être à cause du prof aussi. Genre, je dormais un peu, OK, là, j'étais là, OK, un petit 10-15 minutes, OK. Là, je me suis réveillé pour faire un oral, ça m'a remonté, mais après ça, quand je suis revenu chez nous le soir, j'étais fatigué, OK, j'ai fait ma lecture pour un cours. Après ça, je me suis couché 3 heures, bam, de 6h30 à 9h30 dans mon lit. Parce que j'étais brûlé, OK? Fait que c'est vraiment ça. C'est genre ton corps a vraiment besoin de récupérer quand tu fais des efforts à intensité maximale comme ça, là. Ouais, fait que ça me rappelait ça, OK? Puis, ben, une autre affaire, un autre truc aussi, c'est que des fois, genre, t'as pas faim, mais faut que tu manges parce qu'il faut que tu aies de l'énergie pour accomplir les tâches qu'il faut que tu accomplisses les journées d'après. Fait que genre, quand je m'étais réveillé à 9h30, j'étais comme, oh, je me couche-tu tant qu'à faire pour de bon? Mais là, non, je savais qu'il me manquait un repas puis une couple de calories à manger. Fait que c'est ça que j'ai fait. Tu sais, on m'a fait mon yogourt, tout. Puis après ça, ben en écoutant Suits, la classique, voyons. Puis après ça, je me suis couché pour de bon. Ça a pris un peu plus de temps, là, mais j'ai fini par me coucher, OK? En plus, manger des protéines avant de se coucher, OK, c'est bon pour la synthèse des protéines. Quand tu dors, genre, ton corps, il travaille encore mieux, quand. Fait que c'est super bon de faire ça. Donc, sur ça, ça fait un bout que je parle. Mais c'était juste pour vous rappeler que, ben, de faire attention, c'est ça. Genre, c'est le fun de faire des efforts maximales de même quand on top nos performances, qu'on va dans la zone rouge. Mais faut que tu t'attendes après à te prévoir du temps pour récupérer. Puis que la journée d'après, mais ça se peut que ça soit pas, que tu sois pas à 100%. Mais aujourd'hui, OK, mardi, je me sens top niveau, OK? Ben, pas encore top top, mais ça revient, OK? Adios. 5 km! Ça c'était tough! Speed workout! 13.13! Vendredi 13! Non, c'est pas vrai! 13.13 km! 12 km! Et pour finir, 35 km! Adios! Hey, pour voir le reste de la marathon prep! À bientôt!